Les scientifiques sont inquiets. Un trou d'une taille équivalente à 5 fois la surface de l'Allemagne s'est ouvert dans la couche d'ozone au-dessus de l'Arctique. Le problème, ce trou s'est déplacé durant une quinzaine de jours au-dessus de l'Europe de l'Est, de la Russie et de la Mongolie. La couche d'ozone est un bouclier naturel qui filtre entre autres les ultraviolets, rayons nocifs pour les organismes vivants. La couche d'ozone filtre les rayons ultraviolets qui sont néfastes et sa réduction pourrait avoir un impact sur l'environnement en Scandinavie et en Russie si la tendance se poursuit, explique ce chercheur japonais. Les composés chlorés utilisés par l'homme dans les systèmes de réfrigération et les aérosols sont, avec les froids polaires intenses, le principal facteur de destruction de la couche d'ozone. Le trou est habituellement plus important en Antarctique qu'en Arctique en raison des différences de température.